Good morgen, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le Nishmat, Janine Ruth, bonne fortune, Mazal Fritna, la Chayabat, Mazal Tov, Lucien Batrina, Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Gitin, Perek He Mishnah Bet. En Nifra'in, Menechassim, Meshubadim, Bimkom, Sheyesh, Nechassim, Benechorin, Bafilou, Hen, Ziborit. En Nifra'in, Menechse, Yetomim, Ella, Min, Haziborit. On a ouvert dans la Mishnah précédente le sujet de la manière de récupérer les dettes, de saisir les biens des emprunteurs pour récupérer les dettes. On a évoqué dans la Mishnah précédente pour quel type de terre saisir. Maintenant, on a la Mishnah qui va venir m'apprendre une grande règle. Peut-être que je vous fais... Non, d'abord je traduis la phrase, après vous allez comprendre le cadre. En nifra'in menechassim meshubadim. On ne peut se faire rembourser... On ne se fera pas rembourser des biens qui ont été déjà hypothéqués ou vendus, bimkom sheyesh nechassim benechorim, lorsqu'il y a d'autres biens qui sont de toute façon libres. Vafilu en ziborit, et même si le bien libre est un ziborit. J'explique, c'est très simple. On a appris que vous me devez de l'argent, vous ne me remboursez pas, arrive l'échéance, il y a tout un procédé, ça prend 3 mois. Jusqu'à qu'à la fin, on va faire une saisie de vos biens. Ça prend 4 mois, plus précisément. 1 mois pour débrouiller-vous l'argent. Et ensuite, 3 mois, on vous laisse pour maintenant de se débrouiller de nouveau de vendre vos biens à votre manière. Sinon, c'est fini, on met le grappin sur le bien et on le saisit, on le vend. D'accord? C'est le procédé. Mais la Mishnah vient m'enseigner. Maintenant, je vous apprends une halakha importante. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis un créancier, vous me devez de l'argent, j'ai un droit de venir prendre la... Benonit, niveau 2, on va faire niveau 1, c'est la meilleure, ça j'ai pas de droit dessus, j'ai pas le droit de la réclamer. Niveau 2, j'ai le droit de la réclamer, mais niveau 3, vous avez pas le droit de me la refourguer, si j'en ai pas envie, moi je veux de la, au moins du niveau 2, et d'accord, j'impose avoir au minimum le niveau 2. Ok? Edith, Benonit, Zebrut. Ce qui se passe maintenant, de manière générale, lorsque vous me prêtez de l'argent, vous m'avez prêté de l'argent en 5780. Tous les biens que vous aviez en 5780 ont été engagés pour me rembourser ma dette. Ce qui signifie que, si vous avez ensuite vendu vos biens à d'autres personnes, moi je débarque maintenant en 5784, et je dis, bon, Réhouven, là tu me donnes de l'argent, tu vois. Où il est? T'as pas de biens? Oh, t'as pas de biens. On va commencer maintenant à fouiner et à voir où sont arrivés les biens que tu avais. Je sais que moi quand je t'ai prêté de l'argent, t'avais des biens. Oh, ben Réhouven, c'est Shimon qui les a achetés. Je vais aller voir Shimon, je lui dis, écoute-moi, mon cher ami, j'ai un droit d'hypothéquer. Ce bien était hypothéqué, il était engagé pour ma dette. Je sais pas si hypothéqué, c'est encore plus violent. Ce bien, il était engagé, il était porté garant pour. C'était une garantie pour ma dette. Le pauvre, il n'a pas de quoi me payer. Moi, je prends ce terrain. Toi, utilise maintenant ton shtar de vente pour d'achat pour maintenant aller récupérer l'argent chez Réhouven. Cours-lui après. Casse-toi la tête, casse-lui les dents si tu veux. Moi, en tout cas, je reprends ce bien. D'accord? C'est la base. Maintenant, question. On avait dit que j'ai un droit de prendre la terre niveau 2 et que le créancier, que l'emprunteur, il ne peut pas me donner le niveau 3. Qu'est-ce qui se passe si le reste du niveau 3, il a vendu le niveau 2? Mon droit, initialement, c'est de partir récupérer le niveau 2. Moi, je récupère le niveau 2 et lui devrait partir voir l'emprunteur et lui récupérer ce niveau 3 maintenant pour se rembourser sa dette. Est-ce qu'on va faire comme ça ou pas? Selon la loi stricte, réellement, selon la loi stricte, on a le droit de le faire. Mais, on aurait eu le droit de le faire. Chachamim m'a enfin décrit que malgré tout, non. En nifra'in menechassim meshubadim, on ne se fait rembourser des biens qui ont été engagés et revendus à quelqu'un d'autre. Bimkom sheyesh benechorin, là où il y a des terres libres. Et vafilom ziborit, même si la terre libre, c'est une ziborit. D'accord? C'est de nouveau pour le bon fonctionnement du monde, parce que sinon on ne va plus pouvoir... Il faut bien comprendre, Rachamim avait un grand intérêt à favoriser malgré tout les achats et les ventes, que ce soit relativement facile. Si chaque fois que tu vas acheter une terre, tu vas te dire, ouais, mais peut-être que finalement, je vais me la faire, elle a été hypothéquée, et je vais me la faire. Tu n'as plus... C'est-à-dire, si moi je veux quelqu'un qui a plusieurs biens, je peux lui acheter un bien. Et Bezrat Hashem, s'il a des dettes, il a de quoi se faire couvrir. Il a encore d'autres dettes, il a encore de quoi se faire couvrir. Au pire, Mais si jamais... Peut-être que j'ai pris le bien que je vais me le faire retirer des mains. Donc je vais mettre maintenant à investir, à construire et à aménager et tout ça, et au bout de 2 ans, on va me le prendre. Ça ne m'intéresse plus. Investir dans l'immobilier, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus acheter. Et du coup,
on va bloquer le marché. Et Chachamim ne voulait pas bloquer le marché. On fait plein de choses pour ouvrir le marché, sans malgré tout faire des grands risques de perte. Donc Chachamim ont instauré que lorsqu'elle a vendu le bien qui était hypothéqué, tant qu'elle a des biens libres, tu récupères les biens libres, même si c'est de la moins bonne qualité. Deuxièmement, en nifrain min nichse yetomim, ela min aziburit. Alors, ça en rapport avec la Mishnah précédente. Je vous ai dit que lorsque je prête de l'argent, vous devez me rembourser de la bénonite, pas de la terre bidon. D'accord? Là, maintenant, on est dans une situation spéciale. C'est que j'ai prêté de l'argent à Yaakov. Yaakov est mort, et Réhouven, son fils, a hérité le bien. Moi, je viens maintenant avec, je dirais, ton père, là-bas, il me devait de l'argent, je récupère. J'ai un bien, j'ai un droit d'hypothèque sur la bénonite. Rami m'ont dit, non, c'est pas la peine. Tu peux prendre la ziborite quand tu vas prendre des biens des orphelins. Pour quelle raison? Parce que Chachamim, cette fois-ci, n'ont pas fait le décret que tu as un droit de prendre la bénonite, dans la mesure où c'est une situation où le créancier, faut comprendre, on a fait un décret pour que ce soit facile de prêter et qu'il y ait pas de, et que les gens ils soient pas découragés de prêter, qu'ils vont se retrouver dans une situation trop compliquée. Là, lorsque l'emprunteur il est mort, c'est une situation... c'était un imprévu, on ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui va mourir. Donc c'était quelque chose qui s'est passé, ça a été un imprévu. Et dans ce cas-là, on n'a pas lieu maintenant de pénaliser les pauvres orphelins qui en plus vont se mettre à payer la terre bénonite, dans la mesure où la loi stricte, elle impose de rendre de la ziburite, de la niveau 3. Et il n'y a pas lieu de favoriser cette fois-ci une situation pareille, parce que c'est une situation pas fréquente, et il y a un préjudice pour les pauvres orphelin, donc du coup on a laissé selon la stricte que le créancier va récupérer de la niveau 3 de la ziburite, d'accord? C'est ce que la Mishnah a dit, en nifrein min nichsei tomim, on ne se fera rembourser des biens des orphelins, et la min ziburite, uniquement de la ziburite de la mauvaise qualité de niveau 3. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, c'est là.